Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur SpinTier et dans la continuité du précédent, on était tombé, vous vous souvenez, en panne d'essence. On va donc tout simplement aller se dépanner en essence avec ce camion-ci. Alors on y va directement sans plus attendre. On est parti. Alors par contre, on n'est pas tout à fait parti dans le bon sens. Voilà, on va quand même prendre la piste, ça va être plus simple. Voilà, donc j'ai été inactif, vous m'excusez, pendant quelques jours. Voilà, d'autres choses à faire. Tout bêtement. Et là, ça y est, on est de retour. On va essayer de se dépanner. Alors, je dis bien, on va essayer parce que là, on est déjà mal barré, comme vous pouvez le constater. Alors, déjà vraiment très très mal barré, comme vous le voyez. Alors c'est pas le camion le plus pratique. Et ben on est planté. Je vais vous dire, on est planté. Alors avec un peu de chance, on peut se décoincer avec quelque chose. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah, c'est le klaxon, je me suis trompé de touche. Est-ce qu'on peut repartir? Ou pas, ça c'est la question. Alors c'est pas le véhicule le plus performant qu'on a, on a l'air d'avancer un minimum, pourtant j'ai bloqué le différentiel, j'ai bien toutes les roues, mais vous constatez, ça avance pas très 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 rapidement. Alors on aurait peut-être pu passer, vous me direz, de l'autre côté de l'îlot là, mais j'avais déjà galéré, on va dire, avec l'autre véhicule, mais l'autre était chargé quand même de grumes de bois, donc ça paraissait plus logique. Là le problème c'est que on avance très 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 lentement. Allez mon gros, tu peux le faire. On va essayer de faire quelque chose quand même. Parce que là, on a encore l'air d'être plus ou moins planté. Je voulais quand même avoir. D'accord, il y a bien du fuel dans la cuve. C'est quand même bon de vérifier ces choses-là. Est-ce que. Le problème, c'est que. On n'a pas vraiment la possibilité de enlever ça. Des fois, on y voit un petit peu mieux. Oh mais ce véhicule là, incroyable, hein. On est coincé, planté, on peut rien faire du tout. On n'a pas l'air d'avancer, hein. Non, on n'a vraiment pas l'air d'avancer. Bon, et bien écoutez, on va essayer de... Pardon, c'était pas la bonne touche, on va essayer de faire autrement. On a le 4320, donc celui-ci, d'accord. On a le 255 qui est ici. Si on le démarre, est-ce qu'on arrive à y mettre. Celui-là serait mieux, il a des roues a priori plus. Est-ce qu'on peut lui mettre un. C'est la question. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre une fuel citerne? Donc on va déjà installer ça, et est-ce qu'on peut lui mettre une citerne à fuel? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, alors ça c'est déjà pas mal. Ensuite, est-ce qu'on a du fuel à l'intérieur? Ça c'est la question. Eh ouais, mais le problème c'est que c'est qu'il faudrait aller sur une... Et si on fait changer de camion, celui-ci comment il est? Fuel citerne 0. Et le problème c'est que je ne sais pas où on a du fuel. Ah si, le fuel il est là. Si, le fuel est là finalement. Alors, écoutez, on va faire simple. On va reprendre le 255. On va y aller. On va enlever le frein à main. Ça va peut-être mieux fonctionner. Et on va essayer. Je dis bien, on va essayer d'aller se dépanner. Je crois que l'épisode va être simplement fait pour aller se dépanner.
Allez, on y va droit dedans. J'ai normalement baissé un petit peu le son parce que j'avais trouvé que le son était un petit peu fort dans la précédente vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez mon coco, ouais, l'autre a des roues pas forcément très pratiques. Plutôt les roues route, l'autre là qu'on avait au garage avait plutôt les roues adéquates. Et autant prendre celui-ci qui a encore des roues plus adéquates, je vais dire. L'un dans l'autre, on va simplement regarder, là on est bien, on va simplement regarder. Ouais, qu'on aille par ici et ensuite ici. Ok, allez, c'est reparti. On y va. On essaye de ne pas perdre de temps, voilà. Donc ça y est, parlant Farming Simulator, dans Spintyr, la ferme limousine est sortie, la fameuse limousine. Donc pour ma part, elle va remplacer au niveau du multi la Belgique profonde, voilà, je l'avais dit. Dès que la Belgique profonde sortait, la limousine sortait, la Belgique profonde serait remplacée. Donc ça va être le cas pour le multi. Il y a également une très belle carte française là qui est sortie, dont Classe DX69 a fait la présentation, c'est la Vallée de l'Orge, donc Cocorico, carte française, donc c'est pareil, très très sympa. Donc une très belle carte, on va voir ce qu'on peut en faire, est-ce que je fais quelque chose dessus, sachant que Classe DX69 fait déjà quelque chose dessus, donc je ne sais pas si moi je vais m'attaquer à faire quelque chose dessus, ou à ce moment-là je la ferai peut-être sur une série en multi, parce que c'est une carte absolument gigantesque, hein. Il y a 210 hectares de culture, et il y a pas mal de choses, il y a le poulet, il y a une culture, il y a le seigle, qui est une culture assez rare, pour le noter. On va essayer de passer sur le coin là, sans trop aller dans le haut, au fond. Donc peut-être une aventure en multi là-dessus, voilà. Donc normalement je devais avoir le serveur cette semaine, alors normalement j'ai ce qu'il me faut, donc j'ai gagné ce qu'il me faut, voilà, parce que je tiens à préciser quand même, puisque voilà, par rapport à la vidéo de présentation du moyen de se faire un petit peu d'argent, voilà, je tiens à préciser, donc j'ai largement ce qu'il me faut pour avoir un serveur 6 slots, 3 gigas de capacité pour 3 mois, mais je me suis dit quitte à prendre le serveur et éviter de s'emmerder trop rapidement, je continue un petit peu ma petite astuce et normalement pour la semaine prochaine, voilà, j'aurais pu me payer un serveur pour 6 mois, et voilà, tout simplement. Donc résultat des courses, on va attendre un petit peu. Alors voilà, bah c'est parfait, refuel et ensuite normalement j'ai donc du fuel dans la cuve, hop, dans la cuve, fuel citerne, c'est parfait. Allez, let's go, c'est parti. Donc voilà, la semaine prochaine, ça y est, voilà, j'aurai mon serveur, pas de problème, on va y attaquer sur serveur. Donc voilà, mes chers abonnés seront certainement contents. En tout cas, je l'espère. Voilà. Est-ce qu'on va passer là? Alors là, j'ai attaqué une descente. Voilà, c'est pas trop fort, voilà. En même temps, on va quand même se jeter un œil sur la carte. Alors, on est ici, il faudrait qu'on reprenne ici. Ensuite ici, après où est-ce que je suis? Voilà, bon ben ça c'est bien, on reprend là, voilà, et on va se diriger tranquillement jusque là. C'est bon, allez, on a déjà notre itinéraire tracé pour un bon moment, voilà. Donc on va y aller tranquillou. Donc voilà, j'aurai ce fameux serveur, voilà, dont je parle depuis un certain temps, mais c'est vrai que voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est vrai que bon, la solution que j'ai, est une solution qui me permet de... d'avoir un serveur gratuit, mais c'est vrai que c'est une solution également, je l'avais précisé, qui prend un petit peu de temps. Qu'est-ce qui se passe là? On a du mal à monter. Donc j'ai découvert d'autres sites du genre, tout simplement. Donc à voir dans la description de celle-ci, j'ai mis les liens, voilà, j'en parle pas plus. Non, ceux que ça peut intéresser regarderont. Alors après, j'avais perdu mon tracé. Donc enfin, ce fameux serveur pour Farming Simulator 2015, tout bête. Allez, Dieu, avec 2200 litres sur le derrière, là, il a quand même du mal à avancer, l'ami, là. Est-ce que je suis dans le bon sens? Parce que je vois plus mon... si, bah, je suis bien, c'est par là, tout droit. Ah si, je vois de nouveau la trace, je l'avais perdue.
Voilà, il faudra voilà, Construction Simulator. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu moins le temps de, déjà de jouer, donc de fait de produire des vidéos. Donc automatiquement, et bien, ça s'en ressent. Alors la trace est là, des fois elle disparaît ou on sait pas le. Avec les feux déjà on a du mal à la voir, c'est la nuit, c'est un peu chiant. Et ce qu'on va faire, d'ailleurs ça m'énerve déjà la nuit, hop, on va se mettre toc sur le jour, yes, voilà, allez. Comme ça, on est au matin, il fait jour, c'est quand même beaucoup plus pratique. On y verra mieux. Moi d'abord et vous en plus. Voilà, on a une petite brume du matin. Alors, pas très, on va dire, énergique, je vais dire, ça, ce camion là. Je trouve que ça avance pas beaucoup là. Pourtant, j'avais l'impression qu'on avançait mieux avec. Et oula, bah, je vous dis pas. Voilà, c'est bien placé. C'est bien gras de chez gras, comme vous pouvez le voir. On avance quasiment sur le flanc. Ça y est, on est reparti. Voilà, on va déjà rien que prendre un épisode quasiment d'une demi-heure pour aller se dépanner en fuel. Mais bon, on n'a pas le choix. Si je veux faire ma livraison de bois, tout simplement, il faut que je me dépanne en fuel. Donc c'est pareil, voilà, sur Spin Tier pour l'instant c'est en solo, je vous montre, je fais quelques épisodes, là ça sera le quatrième, on en fera certainement un cinquième en solo. Donc comme ça on aura fini cette carte là, et après donc comme je l'avais proposé à Kevin, donc Kevin mon abonné que vous connaissez, qui joue avec moi sur les multis, voilà, Kevin a également le jeu. Donc on en avait parlé, Kevin si t'es toujours ok, bah écoute, voilà, on se fera à l'occasion un petit peu de multi sur Spin Tier, voilà, ça changera. Multi-farming, multi-spin-tier, voilà. Et on pourra faire même. Non, mais je crois que tu m'avais dit que par contre tu n'avais pas, tu me confirmeras ça dans les commentaires, que tu n'avais pas Construction Simulator. Donc pourquoi pas essayer de se faire un multi avec Construction Simulator ou avec un autre abonné, hein. Chers abonnés, ceux qui ont Construction Simulator, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis on essaiera de s'organiser tout ça, voilà. Donc au niveau de la chaîne, on est au jour d'aujourd'hui, a priori si ça n'a pas évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé, à 169 abonnés. Et bien écoutez, je vous remercie. Salutations aux anciens, abonnés de la première heure. Salutations aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner de la chaîne Farming Savoyard, tout simplement. Allez, on y va là. Bah écoutez, a priori, j'étais pas passé par ce petit chemin, il n'y a aucune trace. Donc tranquille, on avance, on devrait pas être très très loin. Ah, donc toujours aussi agréable à jouer ce jeu, hein, c'est vrai que. C'est vraiment un plaisir de jouer dans des jeux comme ceci là. C'est joli, il y a des beaux mouvements de terrain, niveau graphisme, c'est bien poussé. Le jeu a été amélioré par les développeurs. Alors, et ben écoutez, voilà justement. Là, le principe, c'est qu'on n'a pas découvert, donc il faudrait qu'on aille un petit peu vers la gauche. Par contre, pour l'instant, on va rester comme ça et on va suivre cette piste. On va pas se lancer dans trop de hors-piste. On va voir si par rapport à cette piste là on revient sur la gauche et c'est ce qui a l'air d'être le cas. Là on voit le petit chalet. Je me souviens pas, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, en tout cas j'ai pas suivi cette aventure. La dernière fois c'était avec vous en vidéo. On était arrivé juste devant l'ouragan là pour débloquer la zone. Et puis bah voilà, 0 litre de fuel. Dans l'os comme on dit, tout propre. Est-ce que tu peux sortir de la dornière? Est-ce que c'est mou? Pas trop mou? Ouais, ça a l'air d'être mou quand même. Je pense en sortant que ça sera un petit peu plus dur. Mais en tout cas, ça roule. C'est déjà le principal. Oh, on a pris un dommage pour un petit bout d'arbre. Pas bien compris, mais c'est pas grave. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être déjà dans un premier temps déverrouiller les garages qui permettaient d'envoyer directement les camions dans les garages. Mais j'ai commencé plutôt avec vous par déverrouiller les différentes zones.
Et après on a fait un petit peu de bois, donc des petits rondins. Là on était au moyen. Alors comment on est ici? Et ben là il faudrait quand même commencer à tourner sur la gauche. Donc là il y a un petit peu de forêt, ça va être un petit peu dur à y aller. On va continuer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on n'est pas en live, je peux pas vous le demander en direct. Mais on va quand même continuer la piste là. Je trouve pas très agressif, hein, ce véhicule là. Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû mettre les roues un peu moins épaisses, un peu moins larges, je vais dire plutôt. Ou est-ce que c'est le fait que qu'il y ait du liquide là, du poids sur le sur la remorque. Et là dites-moi que c'est une blague. On est planté. Ouh, ça va être compliqué, je sens. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire là, hein, quand on y regarde de plus proche. Petite côte de merde, comme on dit. Et on est planté, on ne sait pas pourquoi. Là, je braque à fond, impossible de sortir d'ornière, bien évidemment. Allez, essaye de monter par là, là, à beauté. Labourer le terrain, je vous explique pas. Si ça fait pas par le chemin, écoutez, on va essayer de passer par. Passer à travers champ. Voilà, ça a l'air d'être un peu plus dur, on va en profiter. Avec la superbe caméra, essayer de pas se payer trop d'arbres. Allez, on est bien finalement. Enfin, faut pas s'emmerder à suivre la route. Il suffit de couper à travers champs. Et ça va tout de suite plus facilement. Regardez, hop, allez, on passe dans les flots. Alors là, j'allais dire, ça y est, on est coincé. Eh ben, on doit pas être loin du camion. Je vois l'ouragan de la zone à débloquer. Eh ben, le camion doit juste être ici. Et c'est ce que je disais. On a bientôt. On est sûr à 20 minutes de jeu et on arrive seulement. On arrive seulement sur le lieu du dépannage. Hein. Donc vous voyez le boulot. Allez, essayons de passer à travers. Sans trop se payer d'arbres. Voilà, on est pas mal. Bon, eh bien écoutez, on y arrive. Voilà, un premier temps, on va peut-être juste. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, hop, refuse ici, voilà. Ensuite, on va se changer de camion, on va remonter dans celui-ci. 270 litres, c'est vrai qu'il n'y a pas de capacité fantastique. Ok, allez, ça c'est bon. Ensuite. Oula, j'ai failli tout verser là, pardon, c'était pas la bonne touche. Alors, avec un peu de chance, bah, le garage est là, mais bon, ça va pas nous aider. Est-ce qu'on essaie de passer par là tout droit? On va tenter, hein. C'est peut-être pas forcément la bonne l'idée de l'année, je vais dire. En tout cas, on a un deuxième camion. Au pire, on pourra essayer de se tracter. Alors, où est-ce qu'on est coincé? Donc, bien. Alors, t'excites pas, mon petit. Alors. Ah bah, c'est mieux avec le toit, on peut pas. Expliquer qu'est-ce que je fais. Je suis sûr que c'est ce con d'arbre là, il y a un con d'arbre en travers là. Alors on va essayer de se le faire dans ce sens. On
Ouais, c'est ce que je disais. Vous avez vu comme ça a lâché d'un coup là? Alors attends, voilà. Attends mon gros, attends, voilà, c'est bon. Allez, on peut y aller. On a dû se foutre un truc dans le travers là, en dessous du châssis, et résultat des courses, bon, on était bien coincés comme des cons. Oh, mes amis, regardez. Pour l'instant, ça n'a pas. Bon, bah là, ça va être bien. Et voilà, perdu la cargaison. Et ben voilà, l'efficacité même. Là, on prend des dommages, on sait pas pourquoi. Les camions, bom bom bom, regardez, tac tac tac. Et ben voilà. Terminé ici. Et ben écoutez, c'est sur cette belle image et sur ce plantage, je vais dire ce ratage, qu'on va se quitter. C'était donc Farming Savoyard épisode numéro 4. Et ben écoutez, on rattaquera une nouvelle mission, tout bêtement. Il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit. Il faudra tout recommencer. Allez, c'était Farming Savoyard sur Splinter. À très bientôt. Ciao, bye bye.